Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise dont voici les titres. Le Togo dispose désormais d'un inventaire forestier, une toute première évaluation quantitative et qualitative qui fournit des données précises sur le volume de bois sur pied et la productivité des forêts, véritable richesse pour le pays. De nouveaux patrons à la tête de l'armée de terre et de la marine. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises a présidé les cérémonies de passation de service investissant deux chefs expérimentés à découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis après le Burundi et l'Afrique du Sud, la Gambie leur emboîte le pas et annonce son retrait de la Cour pénale internationale, une institution que Banjul accuse de ne juger que des dirigeants africains. C'était là les titres du journal. Toutes nos excuses pour le léger retard. D'abord, le Conseil des ministres réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la direction du chef de l'État fort et Sozimna Nyazingbe. Le ministre en charge de la communication, Guy Madje Lorenzo, nous présente le communiqué l'ayant sanctionné. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 26 octobre 2016 au palais de la présidence de la République sous l'autorité du président de la République, son Excellence, M. Fort et Sozimna Nyazingbe. Au cours des travaux, le Conseil a écouté 13 communications et des divers. La première communication suivie par le Conseil est relative à la participation du Togo à la 6e Assemblée Générale de la Convention de 2003 portant sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Paris du 30 mai au 1er juin 2016. Au cours de cette Assemblée Générale, l'UNESCO a annoncé le relèvement du plafond de son assistance au projet qui passe désormais de 25 000 $ US à 100 000 $ US. Notre pays a déjà bénéficié de l'assistance de cette organisation onusienne, notamment en 2009 et 2013, dans la mise en œuvre des programmes de protection et de promotion du patrimoine culturel immatériel. En marge de cette session, une séance de travail de haut niveau entre les représentants du Togo au sein de l'UNESCO a permis d'explorer de nouvelles stratégies de coopération afin de positionner notre pays au sein des différentes commissions de l'UNESCO. La seconde communication est relative au forum sur la coopération des médias sino-africains et au 6e séminaire du développement de la télévision numérique en Afrique à Beijing du 20 au 25 juin 2016. Reprenant les conclusions du sommet Chine-Afrique de Johannesburg, ce forum confirme la disponibilité de la Chine à accompagner le développement de l'Afrique et particulièrement le processus de transition numérique dans lequel sont engagés tous les médias audiovisuels africains dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Notre pays s'inscrira dans cette logique. La troisième communication est relative à l'Assemblée générale du Comité permanent scientifique et technologique de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, qui s'est tenue à Islamabad, au Pakistan, du 30 mai au 1er juin 2016. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur le plan d'action décennal 2016-2025, essentiellement orienté vers une collaboration plus étroite entre les États membres et les institutions de recherche. À cette occasion, l'adhésion du Togo au sein du Comité permanent scientifique et technologique de l'Organisation de la coopération islamique a été validée par l'ensemble des États membres. Une cellule dédiée sera créée au sein de la Direction nationale de la recherche pour mieux suivre cette coopération avec l'OCI. La quatrième communication suivie par le Conseil rend compte de la situation du personnel enseignant des ministères, des enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle dans la perspective de la réalisation de l'éducation pour tous EPT et des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Il apparaît que, malgré les importants efforts consentis par le gouvernement ces 10 dernières années, organisation des concours directs de recrutement sectoriel, construction de 5 nouvelles ENI, construction de plus de 5000 salles de classe équipées pour et sur ressources propres, réouverture de l'école normale supérieure d'Atakpamé, intégration des enseignants volontaires, des besoins en personnel enseignant s'accroissent d'année en année. Prenant en compte les causes de ce déséquilibre essentiellement dues à l'augmentation de la demande en éducation estimée à plus de 7% par an,
les départs à la retraite, les décès et les abandons de poste, il a engagé un important programme dont l'objectif est de poursuivre les recrutements d'ici 2019 afin de faire face à cette augmentation. La cinquième communication suivie par le Conseil est relative au volontariat national qui vise à promouvoir l'engagement volontaire d'un autre pays à travers la mobilisation des compétences locales dans la mise en œuvre des actions de développement. Dans cette optique, le programme de volontariat a permis d'assurer le renforcement des compétences et de l'employabilité de plus de 7000 jeunes diplômés, l'intégration définitive de près de 2500 jeunes dans les milieux de l'emploi, le renforcement des services publics et l'appui aux ONG, le renforcement des capacités des communautés de base et le développement d'une culture de citoyenneté et responsable. Pour maintenir cette dynamique et amortir le processus de démobilisation des volontaires qui arrivent à la fin de leur mandat, il est envisagé des mesures transitoires exceptionnelles portant extension des contrats et l'opérationnalisation du mécanisme de cofinancement discuté et adopté avec les partenaires du programme. Par ailleurs, le gouvernement réfléchit à des mesures structurelles visant à l'utilisation pérenne des compétences des volontaires qualifiés dans l'administration publique et la gestion des projets de développement, de même que le financement durable du programme à travers des financements innovants et un renforcement des dispositifs d'accompagnement à l'insertion professionnelle et économique des volontaires. La sixième communication est relative au projet d'organisation du Forum national des acteurs du foncier au Togo. Placé sous le terme « Une gouvernance foncière inclusive pour un développement durable, le temps de l'action », ce forum national, qui regroupera environ 150 participants, prendra en compte les recommandations issues des différents ateliers et rencontres nationales et vise la mise en place d'un cadre stratégique de maîtrise du foncier au service de l'émergence du Togo. La septième communication écoutée par le Conseil est relative à la formation du personnel enseignant de l'enseignement secondaire caractérisé par un déficit de formation et une insuffisance de personnel pédagogique. Afin de répondre aux exigences de qualité en matière d'encadrement pédagogique dans les lycées et collèges et pour faire face à la demande sans cesse croissante en enseignants du secondaire, il a envisagé d'étendre aux autres facultés des universités publiques l'expérience de la faculté des sciences et techniques de l'université de Kara, enrichie de l'expérience de l'Institut national des sciences de l'éducation. La huitième communication, suivie par le Conseil, est relative à l'ouverture d'une filière de gestion de l'administration territoriale et des collectivités locales à l'ENA. Se basant sur la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui vise à doter notre pays de compétences et de ressources humaines capables d'assurer la gestion administrative des collectivités, la formation se déroulera en deux cycles. Le premier cycle professionnel concerne les cadres fonctionnaires de la catégorie A qui seront formés sur une période d'un an. Quant au cycle diplômant, il concerne les Togolais titulaires d'une maîtrise ou d'un master de l'enseignement supérieur. Ces cycles constitueront l'embryon des administrations et des services publics locaux. La neuvième et la dixième communication sont relatifs à la sixième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, organisée le 27 et 28 août 2016, à laquelle a participé le président de la République. Cette conférence, organisée pour la première fois en Afrique, a porté essentiellement sur la promotion de la transformation économique et structurelle par la diversification économique et l'industrialisation, la promotion des systèmes de santé résilients pour la qualité de vie et la promotion de la stabilité sociale pour une prospérité partagée. Il y a lieu de préciser que ces actions sont en adéquation avec les priorités du gouvernement. Le Japon a exprimé à cette occasion sa disponibilité à former 10 millions de personnes et à réaliser des investissements d'un montant total de 30 milliards de dollars pour l'Afrique. En marge de cette conférence, notre pays a participé activement à l'exposition Japan African Expo 2016 afin de partager des informations d'ordre économique et commercial et promouvoir les produits des jeunes entrepreneurs togolais. La 11e communication, suivie par le Conseil, est relative aux travaux d'installation des lampadaires solaires photovoltaïques sur toute l'étendue du territoire national. Répartie en deux phases, la première partie de ce projet a conduit le gouvernement à implanter 7000 lampadaires solaires dans plusieurs cantons non encore alimentés en énergie électrique et 6000 lampadaires dans les chefs-lieux des préfectures en ciblant essentiellement
les infrastructures socio-communautaires et économiques de base. L'analyse des impacts de ce projet d'un montant d'environ 25 milliards de francs CFA fait état d'une amélioration notable du volet sécuritaire, d'une augmentation des activités économiques et des taux de réussite scolaire, d'une amélioration des services de santé et de la réduction des dépenses des communes. Eu égard à ces retombées positives, la poursuite de ce projet a été actée par le Conseil. La deuxième communication, suivie par le Conseil, est consacrée au rapport de l'audit des centres d'accueil des enfants vulnérables du Togo. Sur les 120 centres audités, 12 ont été qualifiés de centres de maltraitance. Au vu des constats, il est décidé de la fermeture de ces centres et d'une réorientation des enfants vers d'autres centres situés à proximité. La troisième communication est relative à la visite de travail du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche au Maroc du 4 au 9 septembre 2016. Cette visite a permis à la délégation de s'inspirer du savoir-faire marocain en matière d'éducation et de créer un cadre partenarial permettant au Togo de faire passer son quota de bourses initialement fixé à 30 à 50. Le Togo pourra également inscrire ses étudiants directement dans les établissements publics marocains sur ses propres financements. Au titre divers, le Conseil a été informé des préparatifs de la visite de travail au Togo du Premier ministre français M. Manuel Valls du 28 au 29 octobre 2016. Cette visite, qui intervient quelques jours après la tenue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, est le fruit de la diplomatie agissante du chef de l'État togolais. Lors de son séjour au Togo, le Premier ministre français s'entretiendra avec son Excellence Monsieur le Président de la République togolaise. De nombreuses activités sont prévues à l'agenda de cette visite. Enfin, plusieurs décrets ont été pris au titre des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'Administration territoriale de la décentralisation des collectivités locales, ainsi que du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Fait à Lomé le 26 octobre 2016, le Conseil des ministres. Et je vous donne à présent lecture de cette longue série de décrets pris en Conseil des ministres ce mercredi. Décret portant nomination du commandant de la première région militaire. Par décret présidentiel, le lieutenant-colonel Tchakbera Bassou est nommé commandant de la première région militaire. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Décret portant nomination du commandant de la deuxième région militaire. Par décret présidentiel, le colonel Mangorgou Monigbeni est nommé commandant de la deuxième région militaire. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret qui sera publié au journal officiel de la République, signé Fort et Sazimna Niazimbe, président de la République. Décret portant nomination de préfet. Par décret présidentiel, sont nommés préfets. Préfecture d'Assali. Monsieur Ouro Gourangou Horumila, attaché d'administration, précédemment secrétaire général de la préfecture de Loti, en remplacement de M. Djanjo Banyalawe. Préfecture de Wawa. Monsieur Somenou Atou Yinase, inspecteur des enseignements préscolaires et primaires, précédemment chef d'inspection de Tchaoudjo Nord, en remplacement de Monsieur Amedjenou Yao. Préfecture de Zio. Monsieur Ete Kodjo Kadevi, administrateur civil principal de premier échelon, précédemment directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, en remplacement de Monsieur Adossi Komi Sena. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République. Décret portant nomination des membres des délégations spéciales de préfecture. Par décret présidentiel, sont nommés membres des délégations spéciales dans les préfectures ci-après. Préfecture de Lagny, président, M. Ayena Kwami, directeur de COG. Vice-président, M. Koubalo Patakibawi, directeur d'école. Membre, M. Kouyon Fondeke, enseignant à la retraite.
Madame Asia Ouro Aguda Ayeba, présidente d'association. Monsieur Onibo Afo, transporteur. Madame Yaovi Abla, présidente Union Agricole. Bouraïma Tassirou, agriculteur éleveur. Préfecture de Bamono, président. Monsieur Dogbe Amavi, instituteur premier échelon. Vice-présidente. Madame Dati Ayele, administrateur des finances principales. Membre. Monsieur Vidouté Ametoesso, inspecteur de travail et des lois sociales. Monsieur Josu Kossi, gestionnaire comptable, directeur de société. Monsieur Akakbo Komlan, enseignant, directeur d'école. Monsieur Akiti Ablam, enseignant. Monsieur Dansou Kofi Ameko, architecte, directeur de société. Décret portant nomination du doyen de la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Agbere Diparide Abdourahman, professeur titulaire en service à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, est nommé doyen de la dite faculté. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à ce présent décret. Décret portant nomination du premier vice-doyen de la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Wateba Iou Baboza Majesté, maître de conférence agrégé en service à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, est nommé premier vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du deuxième vice-doyen de la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Pocho Yao, maître de conférence agrégé en service à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé, est nommé deuxième vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du doyen de la faculté des lettres, langues et arts à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Essizewa Essowe Komlan, professeur titulaire en service à la faculté des lettres, langues et arts de l'université de Lomé, est nommé doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du premier vice-doyen de la faculté des lettres, langues et arts à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Yigbe Dotse, maître de conférence en service à la faculté des lettres, langues et arts de l'université de Lomé, est nommé premier vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du deuxième vice-doyen de la faculté des lettres, langues et arts à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Gangé Minlip Martin, maître de conférence en service à la faculté des lettres, langues et arts à l'université de Lomé, est nommé deuxième vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du doyen de la faculté des sciences de l'homme et de la société à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Akakbo Yaovi, professeur titulaire en service à la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé, est nommé doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du deuxième vice-doyen de la faculté des sciences de l'homme et de la société à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Gbemou Kokou Maouli Klimi, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé, est nommé deuxième vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du premier vice-doyen de la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Kola Edinam, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'homme
et de la société de l'université de Lomé est nommé premier vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Agbodi Akwete Ega, professeur titulaire en service à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université de Lomé, est nommé doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du premier vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Evlo Kodjo, maître de conférence en service à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé, est nommé premier vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du deuxième vice-doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Amadou Akilou, maître de conférence agrégé en service à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé, est nommé deuxième vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du doyen de la faculté de droit à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Wolu Komi, maître de conférence agrégé en service à la faculté de droit de l'université de Lomé, est nommé doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du vice-doyen de la faculté de droit à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Adjita Akrawati Shamsidine, maître de conférence en service à la faculté de droit de l'université de Lomé, est nommé vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du doyen de la faculté des sciences à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Changbedi Gado, professeur titulaire en service à la faculté des sciences de l'université de Lomé, est nommé doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du premier vice-doyen de la faculté des sciences à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Tozo Sodoke Kofi, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'université de Lomé, est nommé premier vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du deuxième vice-doyen de la faculté des sciences à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Agbosumode Yao, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'université de Lomé, est nommé deuxième vice-doyen de la dite faculté. Décret portant nomination du directeur adjoint de l'École nationale supérieure d'ingénieurs à l'université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Salami Adekunle Hakim, maître assistant en service à l'École nationale supérieure d'ingénieurs ainsi de l'Université de Lomé, est nommé directeur adjoint de la dite école. Décret portant nomination du directeur de l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires à l'Université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Bawa Limam Mokhtar, professeur titulaire en service à l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires Esteba de l'Université de Lomé, est nommé directeur de la dite école. Décret portant nomination du directeur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs à l'Université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Ajavon Aïté Sena Akoda, maître de conférence en service à l'École nationale supérieure d'ingénieurs ENSI de l'Université de Lomé, est nommé directeur de la dite école. Décret portant nomination du directeur adjoint de l'École supérieure des techniques biologiques et alimentaires à l'Université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Ameyapo Yaovi Agbekponu, maître de conférence en service à l'École supérieure des techniques biologiques
et alimentaire Esteba de l'Université de Lomé est nommé directeur adjoint de la dite école. Décret portant nomination du directeur de l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Sobedi Mianikpo, maître de conférence en service à l'École supérieure d'agronomie ESA de l'Université de Lomé, est nommé directeur de la dite école. Décret portant nomination du directeur adjoint de l'École supérieure d'agronomie à l'Université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Nenonene Amen Yao, maître de conférence en service à l'École supérieure d'agronomie ESA de l'Université de Lomé, est nommé directeur adjoint de la dite école. Décret portant nomination du directeur de l'Institut national des sciences de l'éducation à l'Université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Gbati Kofi Wai Yanaku, professeur titulaire en service à l'Institut national des sciences de l'éducation INSEE de l'Université de Lomé, est nommé directeur du dit institut. Décret portant nomination du directeur adjoint de l'Institut national des sciences de l'éducation à l'Université de Lomé. Par décret présidentiel, Monsieur Bautu Adjanaku Batiou Bahama, professeur maître assistant en service à l'Institut national des sciences de l'éducation INSEE de l'Université de Lomé, est nommé directeur adjoint du dit institut. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles des présents décrets et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution de tous ces décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Et ces décrets sont signés par le président de la République, Faure Essezimna Nyazimbe. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Aboti Tchenyon, maître de conférence en service à la Faculté des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville au Gabon, est nommé professeur titulaire en géographie rurale pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Adjenou Komlanvi était Victor, maître de conférence agrégé en service à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville au Gabon, est nommé professeur titulaire en radiologie, radiodiagnostic et imagerie médicale pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire par décret présidentiel. Monsieur Agbodi Akwete Ega, maître de conférence agrégé en service à la Faculté des sciences économiques et de gestion FASEC de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015 tenue à Libreville au Gabon, est nommé professeur titulaire en économie du développement pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire par décret présidentiel. Monsieur Akapo Numado Gamedi Komlante, maître de conférence agrégé en service à la Faculté de sciences de la santé de l'Université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs interafricains
du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en chirurgie pédiatrique pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Amévoin Komina, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en entomologie pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Assima Kwacha Essoham, professeur de maître de conférence en service à la faculté de sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités inter-africains. Le comité consultatif interafricain du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en histoire pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Bello Mofou, maître de conférence agrégé en service à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en neurologie pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Damoru Findibe, maître de conférence agrégé en service à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en cardiologie pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Daniwe Tamas, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en sociologie politique pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Dassa Simliwa Kolou, maître de conférence agrégé en service à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatif inter-africain du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en psychiatrie d'adultes pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Doucé Comlan Edo Robert, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé
professeur titulaire en philosophie politique pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel, Monsieur Essizewa Komlan Essowe, maître de conférence en service à la faculté des lettres, langues et arts de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en sociolinguistique et ethnolinguistique pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire par décret présidentiel. Monsieur Oladokun Wonu, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en géographie rurale et aménagement pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire par décret présidentiel. Monsieur Onyankitan Owonayo, maître de conférence agrégé en service à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en rhumatologie pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire par décret présidentiel. Monsieur Urso Meterwa Akayaou, maître de conférence en service à la faculté des lettres, langues et arts de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en linguistique pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire. Par décret présidentiel. Monsieur Pere Kewezima Esodina Koku, maître de conférence en service à la faculté des lettres, langues et arts de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire des comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville au Gabon, est nommé professeur titulaire en linguistique pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire par décret présidentiel. Monsieur Tona Koku, maître de conférence en service à l'école supérieure d'agronomie ESA de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en physiologie animale et aviculture pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire par décret présidentiel. Monsieur Tozo Sodoke Kofi, maître de conférence en service à la faculté des sciences de l'université de Lomé, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs inter-africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon,
est nommé professeur titulaire en physiologie végétale pour compter du 1er janvier 2016. Décret portant nomination de professeur titulaire par décret présidentiel. Monsieur Amouzou Akwete, maître de conférence en service à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kara, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur titulaire par les comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES, session du 13 au 22 juillet 2015, tenue à Libreville, au Gabon, est nommé professeur titulaire en anglais, littérature africaine d'expression anglaise et didactique de l'anglais pour compter du 1er janvier 2016. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et son collègue de la fonction publique du travail et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ces décrets qui seront publiés au journal officiel de la République togolaise. Et tous ces décrets sont signés par le président de la République, Faure Essosimna Niazimbe. Et toujours à la présidence de la République ce mercredi, le chef de l'État, Faure Essosimna Niazimbe, a reçu en audience Christian Amouzou. Il est le président d'honneur de l'association France-Togo, créée depuis 1978, une association qui œuvre pour le rapprochement des peuples togolais et français. Il s'agissait pour M. Amouzou de remercier le chef de l'État pour son soutien sans cesse renouvelé et de faire part du prix littéraire de cette association. M. Amouzou est au micro de Ramdan Bassima. Nous venons d'être reçus par le chef de l'État. Nous lui avons fait connaître l'objet de cette association qui est créée depuis bientôt plusieurs années, puis ça remonte à 1978. Nous lui avons surtout parlé de notre prix littéraire qui a été décerné à la lauréate hier dans les jardins de l'Institut français. Et nous lui avons surtout demandé et de continuer à porter, n'est-ce pas, son aide à cette association qui œuvre depuis des années pour le rapprochement du peuple togolais et du peuple français. Et notre mission est de les faire connaître, n'est-ce pas, leur terre natale et de faire perpétuer l'amitié entre nos deux peuples pour que les enfants ne souffrent pas de cette séparation, de cet éloignement de la patrie de leurs ancêtres. Et vous découvrirez tout à l'heure le lauréat de ce prix littéraire France et Togo. Je vous le disais également en titre, l'armée de terre et la marine ont chacune un nouveau patron. C'est le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Félix Kadanga, qui a présidé ce matin les cérémonies de prise de fonction du colonel Sogoyou Pacha à la tête de l'armée de terre et du capitaine de vaisseau Kossi Mayo à la marine. Le compte-rendu de ces cérémonies avec Kwame Ouantogbe et Silver Abdou. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Félix Abalo Kadanga, remet officiellement le drapeau au colonel Sogoyou Pacha, le confirmant nouveau chef d'état-major de l'armée de terre en remplacement de feu Mba Kofi Batanta, qui a tiré sa révérence il y a de cela 6 mois. Militaire de rang de l'armée de terre, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le colonel Sogoyou Pacha, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements, l'observation des lois et le succès des armes. Après cet acte solennel, le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre
s'est honoré du choix qui a été porté sur lui et prend donc l'engagement de servir en toute loyauté et de défendre les valeurs de paix et de sécurité au bénéfice de la population. Aujourd'hui, me voici chef d'état-major de l'armée de terre. Je voudrais exprimer mes respectueux égards ainsi que ma profonde reconnaissance au chef de l'État pour cette confiance renouvelée à ma personne. Je mesure pleinement le privilège qu'il m'accorde en me confiant cette haute charge, en même temps que je reste conscient que la plus éloquente marque de gratitude que je puisse lui témoigner réside dans mon engagement ferme et total à servir avec loyauté, fidélité, les forces armées togolaises, les institutions de l'État ainsi que le peuple togolais. En dehors de l'armée de terre, la marine nationale a changé aussi de couronne. Son nouveau chef, le colonel Mayo Kofi. Le témoin lui a été passé par Nayo Takunyadi, capitaine de vaisseau, ancien chef d'état-major de la marine et actuel préfet maritime. Officier marinier, capitaine et bateau de la marine nationale, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le capitaine de vaisseau Mayo Kofi, ici présent. Vous lui obéirez à tout ce qui vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation de l'art et le succès des armes du Togo. Le colonel Mayo Kofi compte poursuivre les chantiers déjà entrepris par son prédécesseur pour relever les défis de la sécurisation des actions de l'État en mer et de l'espace marin. Je saurais être digne de cette confiance en travaillant dans le sens de sa politique de refondation de notre armée, à laquelle la marine nationale occupe également une place prépondérante. Concernant le maintien en condition opérationnelle de nos unités navales, qui constitue le fer de lance de notre système de sécurité maritime, sont prises en compte. Le chef de l'état-major sortant, le capitaine de vaisseau Nayo Takunyadi, a appelé son successeur à plus de courage et d'abnégation et à œuvrer davantage pour la réussite de sa mission. Le colonel Komla Aditohou, prenant la parole au nom du chef de l'état-major général, a demandé aux deux locataires, celui de la marine et celui de l'armée de terre, à faire montre de persévérance et de dévouement dans ces deux départements clés qui leur sont confiés. Au chef d'état-major entrant de l'armée de terre et de la marine nationale, vous prenez chacun ce qui le concerne, les rênes des départements clés de la survie de notre nation. Nous attendons beaucoup de vous. La nation togolaise attend beaucoup de vous pour prévaloir de cette situation et garantir à notre nation, à notre pays, à nos compatriotes, à nos concitoyens, les meilleures conditions de son développement, comme le disait son Excellence François Nyasimbe, président de la République, chef des armées. La tâche qui vous attend, tous les deux, est colossale. Mais je sais que vous en êtes à la hauteur. Commandant de l'EFOFAT, RPC et de la 2e région militaire, le colonel Pacha Sogoyou a désormais la lourde responsabilité de diriger la plus grande composante de la défense nationale. Quant au capitaine de vaisseau Mayo Kofi, il entend faire de la marine nationale un levier de développement pour la croissance économique du pays. Le président de l'Assemblée nationale informe les députés que la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu demain jeudi 27 octobre 2016 à 15h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Et justement, une délégation de femmes militaires est en tournée, de femmes parlementaires est en tournée dans la région de la Kara. Elle a entrepris une campagne de dissémination et d'explication des dispositions du Code des personnes et de la famille et celui pénal au profit des femmes afin que celles-ci prennent conscience de leurs droits et devoirs grâce à ces lois. Et dans la région de la Kara, la campagne a débuté par la COSA. Et de là, la correspondance de Nestor. Bonjour. Le caucus des femmes parlementaires à la rencontre des femmes de la COSA. Comme témoin de cette rencontre, les autorités locales,
les magistrats, les officiers de la police judiciaire, les gardiens des us et coutumes et les religieux pour des échanges sur l'esprit et la lettre de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille et du Code pénal révisé. Ce que nous visons, c'est de sensibiliser les femmes, dans un premier temps, de la CARA sur leurs droits. Parce que nous l'avons dit, nous adoptons des lois, mais il faut que le grand public soit au courant de ces lois. Les femmes doivent savoir quels sont leurs droits, comment les revendiquer, les hommes également. En matière de succession, par exemple, nombre de femmes ne savent pas comment ça se passe lorsque leur conjoint décède. Qui hérite? Et ce sont des questions comme celle-ci que nous avons débattues en présence des magistrats et des officiers de police judiciaire. Le Code des personnes et de la famille du 31 janvier 1980 a connu deux révisions. Des avancées ont été enregistrées dans ces modifications en faveur des femmes. Avant la révision de 2012, pour que le Code des personnes de la famille soit appliqué, il faudrait que le défunt de son vivant renonce à sa coutume. S'il n'a pas renoncé à sa coutume, à son décès, le Code des personnes ne s'appliquait pas automatiquement. Donc pour corriger cela, la révision a eu lieu en 2012 et quelques articles ont été retouchés en 2014. Et donc, à partir de 2012, la règle, c'est l'application du Code des personnes de la famille et l'exception maintenant, l'application de la coutume. Aujourd'hui, dans le Code des personnes de la famille, le levirat et le sororat ne doivent plus être pratiqués, c'est puni. Le concept de genre ne figurait pas dans le Code pénal du 13 août 1980. Mais la loi numéro 0037-15 du 15 novembre 2015 consacre ce concept et introduit des innovations protectrices de la femme. Les violences économiques sont intégrées au code, au nouveau code de 2015. Les violences psychologiques aussi sont intégrées au code. Les mutilations génitales féminines, c'est vrai qu'il y a une loi qui punissait ça, mais ça a été intégré au niveau du code aujourd'hui. Et l'innovation aussi, c'est que les peines ont été alourdies. On a augmenté les peines pour pouvoir décourager ceux qui continuent ce genre de pratiques. La campagne va s'étendre à toutes les préfectures de la région de la CARA et à celles des autres régions. Elle est accompagnée financièrement par le PNUD. Serait-ce le début du déclin de la CPI? On n'en est pas encore là, mais un troisième pays africain vient de décider de quitter la Cour pénale internationale. La Gambie quitte l'instance judiciaire après le Burundi et l'Afrique du Sud. Et parmi les raisons évoquées par Banjoul, celle que la CPI ne jugerait que des dirigeants africains. La sentence est tombée comme un couperet à la télévision nationale gambienne. Bien qu'on l'appelle Cour pénale internationale, la CPI est en fait une cour internationale de blancs qui poursuit et humilie les peuples de couleur, en particulier les Africains. Alors la Gambie se retire de cette cour de blancs. Après le Burundi et l'Afrique du Sud, elle devient le troisième pays africain à quitter l'instance en à peine une semaine. Vendredi, Pretoria a annoncé son retrait de la CPI. Décision prise après la controverse née de la visite d'Omar El-Béchir en 2015 à Johannesburg. Les autorités sud-africaines avaient alors refusé d'arrêter le président soudanais, pourtant recherché par la CPI. Trois jours avant l'Afrique du Sud, le Burundi de son côté promulguait une loi en vue de son retrait de la Cour. Un camouflet pour la CPI, premier tribunal international permanent, chargé de poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Depuis son entrée en fonction en 2003, ces magistrats ont ouvert 10 enquêtes, dont 9 dans des pays africains. Un parti pris selon l'Union africaine, qui a enclenché son départ de la CPI lors d'un vote en février à Addis Abeba. Depuis la création de la CPI, de nombreux pays occidentaux, au moins 30, ont commis des crimes de guerre abominables contre des pays indépendants et souverains, et contre leurs citoyens. Pas un seul d'entre eux n'a été poursuivi. Un revirement inattendu, car jusqu'en juin dernier, la Gambie s'était démarquée des critiques envers la CPI et sa procureure, Fatou Bensouda, elle-même de nationalité gambienne. Au pouvoir depuis 22 ans, le président Yahya Jammeh brigue un cinquième mandat en décembre. Son régime est accusé par les ONG de disparition forcée et de harcèlement des défenseurs des droits humains.
Le retrait de la Gambie, comme ceux de l'Afrique du Sud et du Burundi, ne seront effectifs que dans un an. Prévu à la mi-novembre à La Haye, l'Assemblée générale des États membres de la CPI s'annonce houleuse. Et je vous l'annonçais également dans cette édition. Après 5 ans de disette, le prix littéraire France-Afrique, France-Togo, a un nouveau lauréat. Il s'agit d'une fille, Thérèse Atiové. Elle a été retenue pour son œuvre « La saison des amours » par un jury de 6 membres. Et ce prix récompense les jeunes auteurs et les encourage ainsi à poursuivre leur production littéraire. Les précisions avec Luc Assi et Antoinette Romao. Au revoir. Le paysage littéraire français et togolais ici réuni pour honorer le nouveau prix littéraire France-Togo. La littéraire Thérèse Atiové, c'est elle qui a été retenue à l'unanimité par les 6 membres de jury en juin dernier pour son œuvre « La saison des amours ». Une œuvre qui relate la beauté de l'amour, comment y parvenir et les vicissitudes qui jonchent le parcours du bonheur. Sur les 29 œuvres de qualité diverses présentées, elle a su tirer son épingle du jeu pour remporter ce prix. Je suis particulièrement honorée d'avoir reçu ce prix, c'est de faire encore plus d'efforts pour produire encore des nouvelles œuvres et qui seront encore plus intéressantes que celles qui viennent d'être promues. Non, France Togo a tout simplement envie de pousser les jeunes à vouloir lire, à vouloir écrire. Et vous savez que lire, écrire, c'est le savoir. Et quand on possède le savoir, on va loin. Depuis 1985, ce prix a su récompenser les icônes de la littérature togolaise. Et cela traduit l'engagement de la France à œuvrer aux côtés des autorités togolaises pour propulser la littérature très haut dans la société. C'est un prix qui scelle ou traduit la proximité et les liens très anciens entre nos deux pays. Deuxièmement, c'est un prix littéraire. Donc il consacre une œuvre de l'esprit, il consacre quelque chose qui est de l'ordre de la culture. Et puis troisièmement, c'est un symbole d'excellence. Le ministre en charge de la culture, qui a reçu une distinction honorifique au cours de cette soirée pour ses multiples actions en faveur de la promotion de la littérature, a rappelé l'importance pour tout esprit humain de lire. Nous avons tous besoin de lire, mais si nous avons besoin de lire, nous lisons la production de ceux qui écrivent. Et j'espère que tous les amoureux des lettres et des arts laisseront libre cours à leur imagination, à leur talent, pour pouvoir magnifier à travers l'art de l'écriture leurs pensées les plus intimes. Nous travaillons avec d'autres institutions, déjà avec la francophonie, en mettant en place les claques dans les différentes préfectures de notre pays, qui sont en fait des bibliothèques municipales. Le prix littéraire France-Togo refait surface après 5 ans d'absence et la lauréate Thérèse Atiové s'inscrit dans le livre d'or de cette distinction. Voilà, ainsi se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Paris et de Marseille en France. Au revoir. La TVT au cœur de l'information.